Hello les traders Alert Gold, Silver, Trader Ultimate Programme. Ça parle beaucoup sur les crypto-monnaies. Donc je vais vous parler moi des cryptos rapides et je vais vous dire ce que j'en pense pour ma part. La règle de base sur les crypto-monnaies, c'est de savoir si c'est un marché régulé, si c'est un marché véritablement intéressant, si c'est un marché qui offre des perspectives importantes. Et moi, je pense que les crypto-monnaies, c'est l'option binaire de 2017-2018. D'accord ? Pourquoi je pense ça ? D'abord, est-ce qu'il faut en faire ? Il faut en faire. Voilà. Si vous avez envie, il ne faut pas vous priver. Hein. Vous connaissez mon point de vue par rapport à ça. Faites-en. Voilà. Si vous avez envie, faites-en. Est-ce qu'il faut faire que ça ? Non, ne faites pas que ça. Pourquoi ? Parce qu'on fait du trading, les gars, pour gagner de l'argent. On ne fait pas du trading pour jouer. D'accord ? Et quand on est sur des crypto-monnaies ou des options binaires, je tiens le même discours pour les options binaires, on est dans un système un peu de spieler, comme disent les traders. On spile. Spiler, c'est jouer. Voilà. Et vous ne pouvez pas spiler, les gars. Vous pouvez spiler un peu et gagner beaucoup. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Luc, t'as vu Bitcoin, il a effectivement explosé. Mais moi, je peux t'en sortir plein, des trucs comme ça. Sur plein de valeurs. Je peux te dire que la valeur a explosé, qu'elle a fait ceci, qu'elle a fait cela. Toi, tu dois simplement savoir identifier les instruments régulés, non régulés, pour savoir ce qui va te faire gagner de l'argent de manière pérenne ou ce qui va te faire gagner de l'argent de temps en temps. Et les tailles de position ne sont pas les mêmes sur les instruments type CFD, futur ou Forex que sur les crypto-monnaies ou les options binaires. Donc au global, au général, d'abord tu fais attention. Parce que la crypto-monnaie, la contrepartie, c'est ton broker à 1000%. Tu n'as pas de crypto-monnaie avec une contrepartie market. Ça n'existe pas. Deuxième chose, tu fais attention parce que ce n'est pas régulé. Donc, ta crypto-monnaie, elle peut t'envoyer en l'air, elle peut te redescendre dans les 3 secondes et toi, tu n'es jamais exécuté. Ça, c'est vachement important. La crypto-monnaie, ce qu'il faut en faire ? Encore une fois, fais-en. Mais par contre, si tu en fais dans un ratio 2% par rapport aux 98% du Forex et de l'indice. Attends, t'as vu les scores Forex Indice ? T'as vu les scores en ce moment ? Te casse pas la tête avec la crypto-monnaie. N'essaie pas de croire que t'es en train de louper une opportunité monstrueuse d'un flanc qui va retomber dès que les gens vont s'apercevoir qu'en fait c'est truandé. Parce qu'il faut pas oublier qu'à la base, la crypto-monnaie, c'est une monnaie souterraine, faite pour acheter des choses en souterrain, fait effectivement pour avoir une contrepartie financière qui ne soit pas forcément régulée. Et si elle n'est pas régulée, elle passe au travers de tous les filtres. Et si elle passe au travers de tous les filtres, ce n'est pas quelque chose qui est programmable ni à long terme, ni à court terme. Tu veux faire des coups, fais de la crypto-monnaie. Tu as XTB hein, qui fait de la crypto-monnaie. Tu peux y aller, hein, n'hésite pas. Par contre, si tu veux vivre du day trading, ce n'est pas la crypto-monnaie qui va te faire vivre du day trading. Je viens de t'envoyer 2 alertes à tous là. Je vous ai envoyé 2 alertes sur la crypto. Faites-vous plaisir. Mais par contre, quand sur la crypto, vous allez travailler avec une volatilité accrue sans garantie de contrepartie, moi, sur les indices ou sur certaines paires Forex, et vous savez que les paires Forex, je les ai triées, j'ai trouvé les bonnes, et eh ben, je sais lesquelles je vais effectivement attraper. C'était mon clin d'œil sur la crypto-monnaie. Encore une fois, en résumé, tu veux en faire ? Fais-en. Il n'y a personne qui peut t'interdire de faire de la crypto. Par contre, s'il te plaît, sois malin. Ne va pas prendre la crypto-monnaie pour de l'indice, pour du Dow, pour du DAX, pour du CAC, pour toutes ces valeurs futures, CFD ou même Forex, de façon à te gameler et cramer ton compte et sans savoir pourquoi. Parce que ces monnaies, en fait, il faut savoir que quand vous travaillez contre une contrepartie qui est broker, le broker fait absolument ce qu'il a envie sur le Bitcoin, encore une fois, et sur l'Ether aussi. Donc, fais attention. Et à tous les gens qui ne sont pas encore traders Ultimate Programme et qui me font l'article de toutes ces valeurs à la One Again, je dis, soyez patients, poco a poco. Si vous voulez jouer, ouvrez un compte pour jouer, mais s'il vous plaît, vous êtes trader Ultimate Programme ou vous allez le devenir. Soyez sérieux, gagnez au quotidien. Soyez les dignes représentants des valeurs des traders Ultimate Programme et du trader alert. Parce que c'est ça l'idée. Soyez gagnant au quotidien. Vivez bien avec le day trading. Et s'il y a des coups à faire ou des coups à prendre, je vous le dirai. Mais s'il vous plaît, soyez malin. Prenez des instruments qui sont contrôlés, vérifiés, sur lesquels vous avez de la liquidité. Laissez les crypto-monnaies aux mecs qui veulent s'éclater dans tous les sens. Vous n'êtes pas là simplement pour cramer les comptes, mais vous êtes là surtout pour vivre de ça. Voilà, take care, tchuss, à tout à l'heure, 14h30 aujourd'hui. Ciao.